Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la guerre froide. La guerre froide est une période de vive tension entre les États-Unis et l'URSS, qui dure de 1947 à 1991. On dit que le monde est bipolaire, c'est-à-dire divisé en deux blocs. Le bloc de l'Ouest, mené par les États-Unis, le bloc de l'Est, dirigé par l'URSS. La guerre froide voit l'opposition entre deux modèles idéologiques et économiques. La démocratie, l'économie de marché ou capitalisme et la liberté de culte, pour le bloc de l'Ouest mené par les États-Unis, le communisme totalitaire, l'économie collectiviste et la répression des religions, pour le bloc de l'Est mené par l'URSS. La guerre froide commence en 1947 par l'opposition entre deux doctrines, celle de Truman, président des États-Unis qui défend le modèle américain, celle de Jdanov, un lieutenant de Staline qui met en avant le modèle soviétique. Ce qui rend dangereux cette opposition, c'est que chacune des deux superpuissances possède l'arme nucléaire et se lance dans la course aux armements. Cette opposition entre les deux blocs est aussi militaire. Sur cette carte, on voit que les pays d'Europe de l'Ouest font partie de l'OTAN, alliance militaire fondée en 1949 par les États-Unis. Les pays communistes d'Europe de l'Est font partie du pacte de Varsovie, alliance militaire fondée par l'URSS en 1955. La guerre froide a été marquée par plusieurs crises graves entre les États-Unis et l'URSS. En 1948-1949, le blocus de Berlin par les Soviétiques. Pour tenter de récupérer Berlin-Ouest, alors tenu par les Américains, les Soviétiques procèdent à un blocage des routes et des voies ferrées. Mais les Américains font échouer le blocus en organisant un pont aérien, c'est-à-dire un ravitaillement par avion de Berlin-Ouest. La conséquence de cette crise est que l'Allemagne est divisée en deux États en 1949. La RFA, République fédérale allemande, une démocratie alliée des États-Unis qui se trouve à l'Ouest, et la RDA, Allemagne de l'Est, dictature communiste soumise à l'URSS. L'Allemagne restera ainsi divisée en deux de 1949 à 1990. La guerre de Corée, de 1950 à 1953, a opposé la Corée du Nord communiste, alliée de l'URSS et de la Chine communiste, à la Corée du Sud, alliée des États-Unis. Cette crise a failli provoquer une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'URSS. La construction du mur de Berlin en 1961 par le gouvernement communiste de RDA pour empêcher les Est-Allemands de fuir à l'Ouest en empruntant Berlin-Ouest. Il a été surnommé le mur de la honte. La crise de Cuba en 1962 a failli provoquer une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'URSS. Cuba, devenu un pays communiste après la révolution de Fidel Castro, installe des fusées soviétiques, c'est-à-dire des missiles nucléaires, qui menacent directement les États-Unis. Après cette crise très grave, les États-Unis et l'URSS se rapprochent et coopèrent dans certains domaines. C'est la détente, qui dure de 1964 à 1974 et qui est initiée par le président soviétique Khrouchtchev et le président américain Kennedy. La guerre du Vietnam, qui a duré de 1964 à 1975, a opposé le Vietnam du Nord communiste soutenu par l'URSS au Vietnam du Sud soutenu par les États-Unis. L'armée américaine a été envoyée pour empêcher les communistes du Nord de s'emparer du Sud-Vietnam. Les Américains ont bombardé les populations nord-vietnamiennes à l'aide d'une arme chimique, le napalm. Mais les pertes militaires et l'opposition croissante de la population américaine ont obligé les États-Unis à se retirer du Vietnam en 1973. La guerre du Vietnam a fait plus d'un million de morts et tout le Vietnam est devenu communiste après la défaite du Vietnam du Sud en 1975. En 1989, la chute du mur de Berlin marque l'échec du modèle communiste soviétique et le début de l'effondrement du bloc de l'Est. Les dictatures communistes s'effondrent les unes après les autres. En 1991, l'URSS elle-même s'effondre. C'est la fin de la guerre froide.